Et salut à tous! Attendez, par contre, j'ai un problème, pourquoi ma cam marche pas? C'est nickel. Bon, je sais pas pourquoi, ça a pété un plomb, hein. J'ai débranché, rebranché, ça a pété un plomb totalement. Donc voilà! Du coup, on venait d'arriver tout simplement ici. Nous sommes actuellement en automne. Attends, j'ai changé de jour. Non, c'est bon, on est le bon jour et tout, donc c'est parfait. Donc on se retrouve là. On est actuellement avec cette équipe-ci. Nous avons Glutoni qui est level 99, les amis. Et du coup, qui est quand même assez balèze, comme vous pouvez le voir à ses stats. Hein. C'est un peu le MVP de cette équipe. Et du coup, là, ce que je dois faire, c'est tout simplement aller ranger des Pokémon, aller en chercher d'autres. Et il me manquait quoi à faire ici? Je voulais aller faire du coup le Pokémon World Tour qui est là. Donc en gros à Poryoneuf tu descends un peu, t'arrives au Pokémon World Tour. Donc plutôt sympathique comme truc. Après j'avais quoi à faire, j'avais fini ça, j'avais fait plus ou moins toutes les villes qu'il y avait, j'avais fait plus ou moins tous les trucs qu'il y avait ici. J'avais plus grand monde à les rencontrer, il me semble que j'avais plus ou moins terminé. Donc là ce que j'avais à faire c'est déjà aller préparer ma team, aller ensuite XP quelques Pokémon histoire d'être vraiment vraiment safe, et ensuite on est bien. Et ensuite, on va partir sur le Pokémon World Tour où, en gros, apparemment, j'ai pas le droit d'utiliser certains Pokémon. Donc, je suis un petit peu déçu. Donc, déjà, dans les Pokémon utilisables dans ma team, j'ai Typhlosion qui remplace Smogogo. Et j'ai ça aussi. Ça va être broken pour le truc. Hein. Ça va être broken à un point, mais ça va être vraiment insane. Hein. Donc, je regarde un petit peu sinon ce que je peux avoir. Attendez, l'objet, on va le prendre. Voilà. On a un bandeau aussi. Donc, voilà. Ça, on va prendre aussi. Donc, ça, c'est ma team. Voilà. Ça, c'est ma team finale. Donc, regardez. Ça, c'est justement avec Glutoni, Skins, Tail, Magle, Vince et Kyrian. Mais du coup, c'est à dire que là, avec le Pokémon World Tour, je ne pourrais utiliser que ces trois Pokémon là. Étant donné que je n'ai pas le droit au légendaire. J'ai envie d'aller check quand même avant. Parce que si ça se trouve, j'ai le droit au légendaire et auquel cas, je suis tranquille. Et je voulais aussi faire un truc. Je voulais aussi faire un truc avant de terminer et de capturer tout ça. Je vais voir justement la capture des régies. Parce que non, je suis censé pouvoir capturer les trois. Wesh, pourquoi on est en. On était pas en automne tout à l'heure. Pourquoi le temps il pète un plomb comme ça? Le temps du jeu a pété un plomb. Hein. Donc attendez. C'est pas ça que je veux faire. Donc les régies. Son numéro combien? C'est numéro 400 et quelques, non? Je crois que c'est 400 et quelques, mais je suis pas sûr. Laissez-moi voir. On va finir par tomber dessus un moment, de toute façon. On a Régis Gigas ici. Donc, normalement, on a les trois autres Régis pas loin. Ils sont où, les Régis? C'est le numéro combien? 370, vous me dites? Enfin, mais c'est-à-dire que Régis Gigas est arrivé après Régis Rock et tout? Ils sont arrivés avant, eux. Donc, je peux en trouver juste à côté, c'est parfait. Donc, je peux en trouver Route 6 en sauvage Régis Rock. Comme ça, je vais essayer de capturer justement les trois. Et une fois que j'aurai les trois, je pourrais aller dans la grotte, qui est donc celle-ci. Donc, le Mont Forêt. Où je pourrais aller pour aller capturer Régis Rock. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc, là, ce qu'on va faire, l'objectif, là, c'est de capturer les trois Régis. Donc, il faudrait que je reprenne un petit peu un Pokémon qui, déjà, je vais déjà mettre Sukuna en devant. Voilà. Ordre, Sukuna ici. Et il me faut un tape. Il me faut un Pokémon pour affaiblir un peu là. Ça va être chaud. J'ai pas la CT fauchage. Ça m'étonne que j'ai pas fauchage. Je suis sûr que je l'ai pas fauchage. Sinon j'aurais pris et je l'aurais mis quoi. Non j'ai pas fauchage. Fait chier. Oui pas Créel, Créfollet et Créfada capture aussi. Alors en vrai le jeu est insane hein. Le jeu est vraiment insane hein. En même temps dans le jeu pour avoir fauchage il faut les capturer tous les Pokémon au Mont Renevert et les montrer aux scientifiques. Ah ouais, what the fuck. Donc on va faire ensuite pour le trouver. Parce que là les Pokémon sont level combien? Level 23. Ah ouais. Level 23 ça va soit shot, hein. Je crois que ça va être le tour d'Alex Barret de se battre un peu. Hein. Mon esclave Assess doit devoir se battre là. Régis qui sera un mouflette. Non mais justement, là en gros t'as l'habitat des Pokémon en random, tu vois. Donc je sais qu'ici il y a Régis Rock. Dernier ou avant dernier. Ça peut prendre un peu de temps parce que faut que je capture les trois Régis. Faut que j'aille ensuite chercher Régis Gigas, tu vois. Donc il y a potentiellement le temps. Sachez-le, vous êtes tranquille. Ah des pierres plantes, ok d'accord. Ah oui bah du coup des pierres plantes c'est possible qu'il y en ait. Et du coup je vais devoir faire un peu le métro pour faire des points quoi. Donc voilà, là objectif capturer les trois Régis. Régis, Régis Style, Régis Rock, Dracolos bien sûr. Et ensuite on sera bien. Attends, il y a une air qui bouge. Ça se trouve il est là. Non. Non, vraiment pas. Remoraid, bon, pas trop quoi. Par contre, monsieur Régis là, enfin Régirock ou Régisti, je sais plus lequel j'ai regardé. Vous êtes supposé être ici. Donc je vous en conjure, soyez ici. Ouais, ça se trouve il est sur des herbes du haut hein. Comme je vous dis, ça se trouve c'est pas là comme ça hein. Excuse-moi, pourquoi tu aurais les Régis ici? Parce que c'est des Pokémon qui sont retrouvés aléatoirement dans le jeu. Enfin, tu sais, c'est en Nuzlocke quoi. Donc les Pokémon c'est aléatoire là. Ici, je suis pas censé rencontrer un Dracolos sauvage par exemple. Et ben le Pokédex me dit qu'il y a Régis. Tu cherches quoi là? Régirock. En gros, je cherche les trois Régis pour être safe et pour pouvoir capturer Régirock. Enfin, Régigas, pardon. Parce qu'en gros, il me faut les trois Régis pour pouvoir aller chercher Régigas. Et vu que j'ai débloqué l'event qui me permet normalement d'avoir Régigas, j'ai envie d'en profiter, tu vois. De faire profiter de l'event à 100% et voir du coup ce qui a été remplacé par ça. Ok, différence Mega Can, Super Can, Simple Can. Non, sur ce jeu, il y a que la Mega Can et tu l'as que après la ligue. Donc, tu l'as très, très, très tard.
la méga canne. Et tu n'as pas de canne avant donc. Vas-y, mais il me casse les couilles lui. Pourquoi il est là? Oui, Régigas entre grandes parenthèses, parce que ce ne sera certainement pas Régigas à sa place. Mais au moins, tu vois, on va se faire chier pour une petite question qu'on va se poser. Et en plus, comme ça, on va chercher un peu de Pokémon, on va la chasse aux Pokémon. Chose que j'ai pas trop faite sur cette gêne, parce que bah t'as pas trop besoin. Hein. En vrai, il y a tellement de zones que t'as pas besoin d'aller chercher trop de trucs. Quoi. Imagine que c'est un Solardo qui a remplacé Régigas. Si c'est ça, c'est légendaire. C'est légendaire, vraiment. Bien d'accord, je joue plus les MMO de Pokémon. Bah je sais pas, je suis pas fan. Les MMO de Pokémon, je les trouve sympa, tu vois, mais y a pas trop ce côté histoire et tout, tu vois, que j'aime bien, moi, tu vois. Malheureusement, ça fait trop fan-made. Même si c'est très bien fait en soi, mais ça fait trop de fan-made, quoi. Vas-y, je suis dégoûté, frère. Quoi, il cherche Regirock pour pouvoir capturer les 3 Régis et pouvoir faire proc l'event Régigigas. Pour savoir quel Pokémon a été remplacé par Régigigas. Parce que je me retrouve devant Régigigas sur le jeu et je peux pas le capturer. C'est trop frustrant, je te jure. S'il a remplacé un Pokémon, si le barpot en a pour un moment. Ouais. Ouais. Mais on va le trouver, vous savez. À un moment, voilà, c'est ça Pokémon aussi. C'est la chasse aux Pokémon. C'est pour ça qu'on aime le jeu. Parce qu'on aime chasser des Pokémon aussi. Putain, mais il aurait pas pu être remplacé, genre il aurait pas pu mettre ça à la place de genre Limonde, un truc comme ça là. J'aurais rencontré en boucle tranquillement, j'aurais pas eu de soucis, j'aurais été au max. Enfin, tu te rappelles le Régigas? Pas trop. Je risque de me perdre assez fortement. Je crois qu'il était dans le mont forêt. Je suis quasiment sûr qu'il est dans le mont forêt. Ah, je me mets à côté du caillou. C'est un roc après tout. Hein. Je pêche vers le caillou. On est RP un minimum, tu vois. Bon, je suis quand même en train de pêcher un caillou, mais il y en a un. Je te jure qu'il y a un Pokémon là. Bah voilà, tu vois, je l'avais dit! C'est totalement RP! Tu pêches en direction du caillou. Premier Pokémon que tu rencontres, c'est qui? Régirock, directement! Voilà! C'était sûr, c'était sûr. Tout ceci n'est que du RP, hein. Ok. Bon, je l'ai tenté, un rapid ball, je devais le tenter. Lame de roc, ok. Bon, il faut que je l'endorme. Lame de roc, Régirock, par contre, attention, par contre. Hein. Bon, sur Sukune, ça va. Wesh. Ah non, ça va pas du tout, en fait. Après, il m'a crit, quoi. Comment je peux l'affaiblir? Lame de roc, ça va faire très mal aux deux. Lame de roc, ça fait mal aussi sur Carrion, non? Est-ce que c'est super efficace sur Carrion, la lame de roc? De toute façon, je peux faire juste une ballon. Après, je peux peut-être le one-shot avec une ballon. Le problème, c'est quelle attaque peut ne pas le one-shot, en fait. C'est ça ma question. Laser glace, c'est sûr, je le tue. Enfin, ébullition et laser glace, je le tue 100%. Si je mets tape, c'est dangereux pour lui parce qu'il peut se faire exploser. Si je mets ma gueule, c'est dangereux pour lui parce qu'il peut prendre aussi très cher. Je sais pas comment l'affaiblir. Il faut que je fasse une attaque physique déjà. Parce qu'il a beaucoup de défense, 100%. Je sais pas comment l'affaiblir, là. Je pourrais lui mettre Retour, je one shot pas. Après, non, c'est chaud quand même. Regarde le Pokémon qui a le plus de défense. Je pense que c'est ma gueule qui devrait tanker là. 130 de défense. Ouais, c'est ma gueule qui doit le faire. C'est ma gueule qui doit go et qui doit faire genre un éclatroc ou éboulement. Je pense qu'éboulement, je one shot jamais. Je vais faire un éboulement, je pense. Il s'est réveillé instant là. Si je fais éboulement, je le tue pas à 100%. Je suis même très loin de le tuer, même. Éclatroc non plus alors. Éclatroc, je le tuerai pas du tout. Je vais mettre genre un peu plus quand même midlife, je pense. Ah, pas du tout. Tant mieux, comme ça, je peux l'affaiblir tranquillement. Je peux en faire un dernier là, on en est bon. Oula. Le problème, c'est que j'ai baissé sa défense. Bon, il me tuera jamais avec un tunnel comme ça. Faut que je fasse attention parce que je vais baisser sa défense. Donc, c'est pour ça que je refais pas un. Ok, c'est bon, on y va. On va mettre skins et on est bon. Ok, donc déjà, au niveau des points de vue, on est bon. Et là, explosion. Ah, oh, je serais dégoûté. Avec le vent arrière, il est plus rapide que moi, fait chier. Pourquoi il est plus vite que moi à faire tunnel, je comprends pas. Et c'est vrai que j'ai le Master Ball encore. Hein. Ma Master Ball sera utilisée pour le Pokémon qui remplace Regigigas, quel qu'il soit. Si c'est un Rattata qui doit prendre cette Master Ball, c'est un Rattata qui prendra cette Master Ball. Ah, pas de fastoche. Hein. Après là, normalement, j'ai vraiment ce qu'il faut pour le capturer. Là. Vas-y, on va tester la technique de Gaspacho qui consiste à mettre la manette dans le dos. Ah, ok, ma manette est dans le dos. C'est magnifique. Hop, on balance ça. Hyper ball. Ça marche pas, Gaspacho, c'est bon. Eh, vous me le bannissez là. Les modos là, vous me le bannez là. Ouais, je spam AB, AB, AB en gardant flèche gauche appuyée. Vas-y, je teste. Hein. Crêpe au saucisson. On tente la technique de crêpe au saucisson, peut-être. Oh le boss! Oh le boss! Spam AB en gardant flèche gauche appuyée. J'ai testé la technique de crêpe au saucisson qui a fonctionné. Donc j'ai lu. Ok, tu seras donc crêpe. Crêpe saucisson. Crêpe sauce ici on. Voilà, saucisson. Bien joué la technique de crêpe au saucisson. Qu'on le couvre d'or. J'avoue qu'on le couvre d'or, monsieur. Hein. Ah, il y avait des abras ici aussi, ok. Ah mais non, c'est pas la pêche. Ok, donc un Pokémon capturé, fantastique. Il nous en manque encore deux maintenant. Alors où est-ce que je peux le pêcher? Bois des illusions. Très bien. Bois des illusions, je peux y aller. Route 1. Vas-y, bah route 1. Route 1 en plus, ça me permet d'XP, c'est parfait. Route 1. Je vais donc aller directement sur la route 1. Allez, on va trouver le deuxième rapidement. J'espère que ça ira plus vite que le premier. Parce que j'avoue que le premier, j'ai un peu galéré. Oh, gros doudou, ça XP un peu ça, non? Essaye d'avoir quoi? Régis. Le deuxième caillou. Il me manque encore deux cailloux. Objectif, récupérer les deux cailloux avant la fin du créneau quand même. Ce serait cool. Après, vu ma chatte, il y a très peu de chances que j'y arrive. Mais il y a moyen. Eh gros, ça veut pas tomber, frère. Ça veut pas tomber. Allez, allez, plus qu'un Pokémon. Plus qu'un Pokémon, les amis. Et on passe level 100. Ah, c'est parce que, en gros, ils ont bougé, là. Ils ont suivi le cours du flow, les Pokémon. Et c'est pour ça que, du coup, on n'a pas là, actuellement. C'est pas un flottajou qui va me faire passer level 100, quand même, si? Je crois bien que oui, hein. Attendez. Flottajou, peut-être? Flottajou, peut-être?
Flotajou qui fait passer Gluttony level 100. Incroyable, incroyable. Gluttony qui passe level 100 là-dessus. Aïe, 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 aïe. Le boss tout simplement. Donc maintenant on va XP un peu tape, hein, tape. Puis il va prendre un peu plus d'XP vu qu'il est bien plus bas level. Donc il va prendre beaucoup plus d'XP sur chaque Pokémon, c'est bien. En vrai le jeu est tellement complet que j'arrive à passer level 100 en faisant l'histoire et en faisant quelques captures quand même. Incroyable, incroyable. Tape par contre il a des dégâts d'attaque, c'est indécent pour son level. C'est vraiment indécent. Tape c'est guerrier-aigle. Allez, j'avoue que je vais go Herb Geo fast, hein. Si dans les 5 prochains Pokémon que je rencontre, il n'y a pas Régis, je vais dans les herbes juste à côté parce qu'il est dans les deux. Dans cette zone là, il y a Régis dans les herbes et sur la pêche. Ouais, ça va arriver. Faut juste avoir de la patience dans le jeu, hein. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très patient. Donc ça peut prendre des heures, je vais réussir à l'avoir un moment, je m'en fais pas, tu vois. S'il le faut, on va attendre des heures, mon pote. Y a pas de problème. On va finir par capturer. Tout ça pour que Régigigas soit remplacé par un métamorphe, hein. Imagine, hein. Régigigas métamorphe. Je suis dégoûté. Et y a un moment où je vais bien tomber sur la chaîne. J'avoue, hein, je vais peut-être tomber sur la chaîne aussi, hein. Après, en vrai, de vrai, moi, ça me permet d'XP à fond. Donc, c'est pas trop grave. Attends, par contre, si je dois pêcher dans les tourbillons, c'est la merde. Parce qu'en fait, y a toujours ce facteur-là. J'avoue, dans le jeu, y a toujours ce facteur où t'as les tourbillons. Dans la recherche des Pokémon là dans le jeu, t'as les tourbillons et les herbes qui bougent, là. Donc, dans tous les cas, t'as des trucs. En fait, t'as trop de facteurs de capture qui te permettent de capturer des Pokémon différents. Donc t'as la pêche dans les tourbillons, t'as les herbes solo, les herbes duo, les herbes qui bougent, le temps, les saisons, enfin tu vois, t'as le jour, la nuit, le midi, été, hiver, printemps, automne. Gros, t'as trop de facteurs de capture. C'est trop dur de faire de la chasse aux Pokémon ici, hein. Mais c'est bien d'un côté parce que ça rend le jeu encore plus complet, tu vois, c'est cool. Mais quand tu cherches un Pokémon en particulier, t'as le seum. 16 Pokémon différents dans l'herbe ici, herbe vente comprise. Waouh, attends, mais y a 1 milliard de Pokémon dans cette zone, ça veut dire 16 Pokémon différents dans les herbes seulement. Ah, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de fou par contre, hein. Par contre, y a pas moyen de faire proc un tourbillon dans l'eau, hein. Comment je fais proc un tourbillon là dans ces petites eaux? Attends, est-ce que je peux faire proc un tourbillon? 100% je peux. En marchant à côté. Ah voilà. Ah c'est là, c'est maintenant. Je vous le dis, c'est maintenant. Mais oui, mais c'était ça en fait que je devais faire depuis le début. Putain, je devais faire proc un putain de tourbillon pour pêcher dedans. Mais quel nonchatte. C'est abusé. Oula. Oula. Exuviation, quelle attaque de fou furieux par contre. Oula. Au moins tu l'as eu. C'est vrai. Mais quand même, maintenant voilà, il faut pas le tuer. Ok, je peux en mettre un. Attends, si je fais un laser glace, ça fait combien de dégâts? Je pense que je peux faire 2 laser glace minimum. Oh oui, même 3. Oula. Ok, bon, plus 3 du coup. Là maintenant, je peux en faire 2. Par contre, il augmente un peu trop ses stats là. Il est en plus 4 attaques, plus 4 défenses, plus 4 attaques SP, plus 6 attaques SP, plus 6 attaques. S'il me fait n'importe quelle attaque, c'est la merde. Je vous le dis là, c'est la merde. Là, je peux plus le taper, donc il faut que j'arrive à l'endormir à 100%. Heureusement que j'ai pas mis Palkia. Si je mets Palkia là, il est mort. Hein. C'est la merde. Il est pas assez dans le rouge en plus. Il est pas dans le rouge, c'est la merde. Allez, s'il te plaît. Putain! J'aurais dû tenter une rapide ball dès le début, putain. Level 100 contre 54. Je pense vraiment que Palkia se fait one shot, hein. No fake, hein. Filet ball. Bah, c'est pas un Pokémon haut, c'est un Pokémon glace. Donc ça marche pas pareil. J'avoue, le AB plus gauche, j'ai pas fait. Attends, je refais. Je refais la technique, on va voir si ça marche. Eh gros, c'est un truc de fou. C'est une technique de fou furieux. Le AB en spam plus flèche de gauche, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, frère. C'est quoi ça? C'est quoi cette technique de fou, frère? C'est incroyable. C'est incroyable, frère. C'est broken. Crêpe, saut, crêpe 2. Gros, mais c'est broken de fou. Quelle technique de malade mental, sérieux. Ah, je suis choqué. C'est trop. Bon, le dernier, désormais. Le dernier qui nous manque, qui est donc... Eh bien, Régis-t-il? Où es-tu, Régis-t-il? Il faut que je trouve où il est. Donc, il y a très peu de zones, Régis-t-il, par contre. Il y a Château enfoui, il y a Mont-Renanvers, il y a Grotte Cyclopéenne et ici. Il y a Zadie Onde-sur-Mer. Donc là, c'est que sur des herbes. Donc, je vais aller là où il y a le plus de niveaux, donc Grotte Cyclopéenne. Je vais aller dans la Grotte Cyclopéenne, allez, on y va. Dans les herbes de la Grotte Cyclopéenne. Après, c'est une grande zone. La Grotte Cyclopéenne doit avoir beaucoup, beaucoup de Pokémon différents. Je pense que là, j'ai plutôt envie d'aller dans une zone où il n'y a pas énormément de Pokémon différents, normalement. Donc là, par exemple, Château enfoui. Il est censé avoir 5 Pokémon, ok. Ici, non, Montforêt, c'est impossible. Montforêt, il y a trop de Pokémon, 100%. Ah non, il y a une route ici. Route 15, il y a combien de Pokémon différents? Oh, il y en a beaucoup trop. Pour l'instant, la meilleure zone, c'est merde, là, je serai Jace. Ok. Donc, pour l'instant, la meilleure zone, c'est le Château enfoui. Grotte Cyclopéenne. Ah ouais, non, Grotte Cyclopéenne, c'est mort. Jamais je vais dans la Grotte Cyclopéenne. Il y a trop de Pokémon. Mont-Renanvers, il y en a beaucoup trop aussi. Non, mais le meilleur, c'est Château enfoui, hein. Je vais aller dans le Château enfoui, hein. Pourquoi me prendre la tête? Attends, il y en avait sur la route 1 aussi? Non, mais là, je regardais le bon, là. Je suis sur Régis, là, attendez. Non, il n'y en a pas sur route 1. Ouais, non, Château enfoui, c'est le mieux. Ok, Château enfoui, go. Donc là, je suis en bas. On va dire que je suis au moins 1. Donc là, je suis au moins 1. Putain, j'ai cru. J'ai vu la musique qui a changé, je me suis dit c'est bon, c'est parfait, c'est maintenant, c'est le moment. C'est pas du tout le moment. Il y a plus de Pokémon qu'annoncés par le Pokédex. Ah oui, largement. T'as rencontré Régis-t-il, Grotte Cyclopéenne avant d'aller fight Kyurem. Est-ce que vous validez ces propos? Est-ce que...
Pas besoin de valider. Ah non, mais merde, c'est pas lui que je veux. J'allais dire pas besoin, mais en fait, c'est pas lui que je veux, c'est pas toi. Toi, j'irai te chercher après, frère. T'abuses. Putain, tu me donnes des faux espoirs comme ça, je suis dégoûté. Oh. Monsieur, mais vas-y. Le jeu me troll. Bah, c'est quoi, je vais aller à la grosse cyclopène, c'est bon. Tu m'as eu. On a 5 minutes pour le trouver, le capturer et ensuite aller faire machin. Le problème, c'est qu'il y a 20 milliards de zones ici, gros. Je vais jamais tomber sur lui, hein. C'est pas là, 100%, c'était la petite caverne juste avant Curran. Donc celle-là, là où je suis là actuellement. Il n'y a pas de faucon de sauvage ici, donc c'est celle-là. Vas-y, je vais faire confiance. Tu vas aller trouver là, il me semble. Ok. Le chat m'a l'air d'être assez. Voilà, il m'a l'air d'être assez safe dans le sens où ils me disent. Ils sont plusieurs à me dire que je l'ai trouvé ici. Le Régistile. Juste avant Curem. Si c'est le cas, vous avez très bonne mémoire. Attends, je vais remettre les dates automatiques déjà. Pour m'octroyer le plus de chances possible. Je remets les dates auto. Moi, je vous fais confiance, le chat, vous savez. Maintenant, à voir. Hein. Ah, je me rappelais pas de ça. Je ne me rappelais pas de ça. Ah, bah encore moins de ça. Après, moi, ça me va, j'XP, mais bon. Vas-y, on se laisse, vous savez quoi? On se laisse jusqu'à midi 10 sur la montre, là, en haut à droite, que vous pouvez voir. Et si jamais on le retrouve à midi 10, donc regardez, là, vous avez l'heure, là. Là, ici vous avez l'heure, en tout petit là, sur le micro. Si on l'a pas trouvé d'ici là, on laissera Wax tranquillement pour reprendre le live. Et si jamais on l'a trouvé, tant mieux. Donc là je cherche Régistile, c'est le dernier Régis qu'il me manque. Et ensuite ce sera, justement, on va aller chercher Régigigas. Et le Pokémon qui est remplacé par Régigigas, on ira le capturer. Voilà. Et surtout, le Pokémon qui remplace Régigigas aura l'honneur de recevoir ma Master Ball. Quel qu'il soit. Quel que soit le Pokémon. C'est-à-dire que le Pokémon qui remplace Régigigas, c'est potentiellement un Chenipan. C'est potentiellement un Métamorphe ou un genre un Spinda. Ou un Insolourdo. Qui est probable. Si c'est un Insolourdo, c'est vraiment légendaire par contre. Il va le trouver à midi 9 et passer 45 minutes à lui lancer le Pokémon dessus. C'est possible, hein. Il est vrai que c'est une possibilité. Je vais pas te mentir. Il est 10. Donc là, le prochain Pokémon que je rencontre sur un tourbillon au sol, eh bien, on verra ce que c'est. CRP, je suis dans la grotte de Curem, je tombe sur Curem. CRP, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on cherchait, mon ami. Ce n'est pas ce que l'on cherchait, mais c'est pas ce qu'on veut capturer. Donc on va le tuer tranquillement. Et on continuera demain. Non, je vais pas le capturer, Vox. J'en ai pas besoin, donc je vais pas le capturer. Mais je pense que la stratégie, elle était là. Je pense que la stratégie, elle est peut-être d'aller chercher sur les Pokémon dans les herbes. Pour l'histoire de. Non, ça aurait pris trop de temps et tout, la flemme. J'en ai pas besoin, les amis de Curem. Par contre, la musique est super stylée, j'aime bien, tout ça, propre, j'aime bien. Mais le problème, c'est que c'est pas Régistile. Donc du coup, demain matin. On trouve Régistile, on capture, on masterball le Pokémon qui remplace Régigigas, on fait le Pokémon World Tour, on fait la tournoi et on aura terminé. Mais je crois que le Pokémon World Tour et la tournoi prennent normalement respectivement 2 heures chacun. Donc il y a moyen qu'il y ait un créneau supplémentaire en plus. Merci à vous tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, hein, ces petites sessions Sacha Core, oh, c'est le bonheur. Franchement, le matin, tous les matins, je suis là, je suis content de venir live Pokémon, je suis content de venir jouer au jeu, je suis content d'avoir fait autant là. Par contre, j'ai combien de temps de jeu effectif là? J'ai 50 heures, sachant que doit y avoir bien une dizaine d'heures en speed. Voire peut-être un peu plus même, j'ai envie de dire. Donc il y a beaucoup de temps de jeu qui a été fait en speed. Mais je pense que le jeu, en vrai, j'ai mis bien 35 heures, je dirais, de temps de jeu normal. Parce que ça fait quoi, 3 semaines que je suis dessus. Donc ouais, non, j'ai dû mettre une bonne quarantaine d'heures de jeu quand même, tu vois. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. En vrai, ouais, j'ai dû mettre 3 semaines de jeu environ à 14 heures, enfin 12. Ouais, 12 heures par semaine environ. Donc ouais, c'est ça, ça fait 36, 30 heures environ de jeu, quoi. Et voilà, des bisous.